Good morgen, allez, Iden et Sus, aujourd'hui le lundi matin, maman de Chai Ben Yitzhak, Vefani, Dvorah, Bat Esther, ainsi que le Fatamam Ben Masoudi, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, compte de 5 minutes éternelles, nous étions en Sakhdi, en mode Perek, Chet, Mishnah, Dalet. Amar Rabbi Yoshua, Shamati, Shasaris Choletz, Vecholtin et Ishto, Vasaris Locholetz, Velocholtin et Ishto, Ve Enli le Farish. Amar Rabbi Akiva, Ani Afarish. Seris Adam Choletz, Vecholtin et Ishto, Mipene Shaitalo, Shaata Kosher. Saris Ramalo Choletz, Velocholtin et Ishto, Mipene Shello, Aitalo, Shaata Kosher. Rabbi Eliezer Omer Loiki, Ela Saris Ramal Choletz, Vecholtin et Ishto, Mipene Shello Refua. Saris Adam Locholetz, Velocholtin et Ishto, מפני שאין לו רפואה. העיד רבי יהושע בן בטרה על בן מגוסת שהיה בירושלים. על בן מגוסת שהיה בירושלים, סריס אדם, ויבמו את אשתו לקיים דברי רבי עקיבא. On revient sur un sujet qu'on a évoqué dans la Mishnah Bet à propos du saris. La saris est celui qui est castré. אמר רבי יהושע, אני רוצה להגיד רבי יהושע, שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו, והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו. J'ai entendu parler qu'il y a un saris, un. Quelqu'un qui est castré, mais pas forcément qui est castré parce qu'il s'est fait castrer, plutôt quelqu'un qui n'a pas de testicules en fonction. Qu'il y en a un à qui cholets vecholtin l'ishto, que si il décède, que si son frère décède, il devra faire la khalitsa même s'il est saris. Et si lui-même décède, il faudra faire la khalitsa à sa femme. Ve'a saris, et j'ai entendu parler d'un autre saris, un eunuque, en bon français ça se traduit, je crois. On traduit toujours comme ça les saris. Et ve'a saris, un autre saris à qui ni on fait la, ni pourra faire la khalitsa, ni on fera la khalitsa. C'est en deux mots. Il vient nous dire à Biyoshua, il nous dit, sache que ve'en il est faresh, et je ne sais pas comment interpréter. Il se rappelle Rabbi Yoshua que dans sa jeunesse, il a entendu d'Alachot que des fois il parlait d'un saris, d'un eunuque, quelqu'un de castré, qui peut faire la khalitsa et à qui il faut faire la khalitsa à sa femme, s'il est marié avec elle. Et d'un autre côté, il a entendu parler d'un autre saris, que lo cholet ve lo chotin nishto, ni peut faire la khalitsa, il n'a pas le droit de faire la khalitsa, et ni on aura besoin de faire la khalitsa à sa femme est directement permise. Ve en il farish, il ne sait pas de quoi, comment interpréter cette halakha, de qui on parle. En réalité, je vous fais une petite introduction. Tout d'abord, une petite parenthèse, par rapport à la khalitsa, que ni son frère pourront faire la khalitsa, ni pour lui, c'est déduit ça d'un pasouk que le but du yiboum, c'est de donner naissance à une progéniture, à celui qui devait en avoir une. Or, s'il était saris, il était castré, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et s'il ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, il n'y a plus de mitzvah de donner des enfants à sa femme. Et aussi dans le même sens, en réciproque aussi. S'il ne peut pas donner d'enfants, alors on ne va pas dire à sa belle-sœur de faire le hiboum, parce qu'à quoi ça sert de se marier ensemble, ils ne vont pas avoir d'enfants. Ça, c'est de manière générale. La Torah nous a dit, « Velo imacheshmo, vekar asher lo yivnet bet achiv. » Ça, c'est pour celui qui décède. Alors on lui dit, « Lo imacheshmo, que son nom ne soit pas effacé. » Il est souvent lui dire, mais de quoi tu te plains? De toute façon, il pouvait pas faire il pouvait pas. Son nom, il était effacé, parce que de toute façon, il pouvait pas avoir d'enfant quand il était vivant, donc on va pas avoir la khalitsa, ni le hiboum, ni la khalitsa à sa femme. Inversement, quand sa belle-sœur, quand son frère décède et que sa belle-sœur vient devant lui en hiboum, Asher lo yivne et batachiv, ou lo yachol yivnot et batachiv, il peut pas construire la maison de son frère, puisqu'il peut pas donner de naissance. Donc il aura ni hiboum, ni khalitsa à faire. Mais on a entendu qu'il y en a un qui fait exception à la règle, et l'autre qui marche, et l'autre qui interdit. Je ne sais pas comment l'interpréter. Sur ça, Amar Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il nous dit, Niafaresh, moi je vais t'interpréter. En réalité, il y a deux sortes de sarissim, il y a deux sortes de gens qui ne peuvent pas donner naissance. Il y en a un qui est de naissance, et il y en a un qui a été accidentel. Il y en a un qui est de naissance, qui est né sans... comment ça s'appelle en français ça m'échappe aussi. Castré, mais de naissance, quoi, qui est né sans... Son fonctionnement hormonal des hommes, il a des testicules qui ne fonctionnent pas. Ça, on l'appelle dans la Mishnah, on l'appelle un saris rama. Le saris du soleil. Pourquoi du soleil? Parce qu'en fait, il n'a jamais vu... Depuis qu'il est né, il voit pas le soleil. Depuis qu'il voit le soleil, il est castré, en fait. D'accord? Il ne s'est pas développé. Il y a le saris rama et saris adam. Et celui qui a été castré ensuite. Et sur ça, Rabbi Akiva, il nous interprète comme ça. Ani Afarish, moi j'ai interprété. Seris Adam, Choletz, Vecholtin Nishto.
Celui qui est Saris, Saris Adam, celui qui est castré par les hommes, qui a été castré par les humains, lui, il devra faire la Khalitsa. Et on fera la Khalitsa à sa femme. Mais Penesha italo sheata kosher. Parce qu'il a eu un moment dans sa vie où il a été apte à donner naissance. Il avait un moment où son système hormonal fonctionnait, normalement il devait avoir des enfants. Lui, c'est pas un être différent de tout le monde. C'est un être qui a eu un problème technique, entre parenthèses. D'abord, je finis ma phrase, après j'explique. Le Saris Rama, la différence du Saris Alagma, qui importe ce que je vais vous dire, Saris Rama, l'Ocholès ou l'Ocholès, par contre, celui qui est né, Saris, qui est né castré, depuis qu'il est tout petit, eh bien, l'Ocholès ou l'Ocholès, ni on fera la Khalitsa, ni lui fera la Khalitsa, ni on fera la Khalitsa sa femme, mais Pnish, l'Oït à l'Ocha Kakosher, parce qu'il a jamais, il a été complètement exclu de donner progéniture sur Terre. Une remarque que l'Alagma nous dit explicitement. Vous imaginez bien que, malheureusement, les gens qui n'ont pas eu d'enfants, ils ont passé des fois plusieurs années sans avoir d'enfants. Jusqu'à que parfois même, ils vont peut-être atteindre, le mari va atteindre 80 ans sans avoir d'enfants. À 80 ans, de toute façon, plus personne peut avoir des enfants. Ouais, là, on perd la puissance humaine des hommes. D'accord? Malgré tout, on fait quand même la Khalitsa. Pourquoi est-ce qu'on fait la Khalitsa? De toute façon, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Parce qu'on va lui dire, ouais, mais à l'époque, ils pouvaient avoir des enfants. Donc il a passé une vie, le pauvre, sans avoir de progéniture. Sur ça, la Torah l'a pas exclu en lui disant, comment c'est dit dans le pasuk déjà, que Veloï Macheshmo, la Torah nous a dit, il faut faire le hiboum de manière à ce que son nom ne va pas être effacé. À exclure de là celui que de toute façon il était effacé complètement. Quelqu'un qui a eu, même dans sa jeunesse, la possibilité d'avoir des enfants, alors maintenant il a. Quelqu'un qui a eu dans sa jeunesse la possibilité d'avoir des enfants, alors là la Torah nous a dit, bon, alors souciez-vous de laisser une progéniture et mariez-vous avec sa femme pour lui donner des enfants. Mais même s'il a eu même un instant de chat à coucher, c'est-à-dire depuis qu'il est né, il a eu au moins un moment où il était apte à avoir des enfants, il avait tout le système qui fonctionnait normalement, et après il a eu un accident, ou par des hommes ou pas, à la différence du cas où il est né comme ça, alors, Torah nous a dit, il faudra donner naissance à celui qui devait avoir une progéniture, mais lui, il a été exclu. Depuis qu'il est né, le pauvre, il ne pouvait pas en avoir, donc du coup, il n'y a pas de mitzvah de faire la mitzvah de Iboum avec sa femme, d'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Loki. Rabbi Eliezer dit le contraire, exactement. Et là, Saris Rama Choletz, celui qui est né, Saris, il faudra faire la Khalitsa avec Khotinishtur, on fera la Khalitsa à sa femme. Pourquoi? Mipne Sheyesh Lo Refua. Parce qu'il peut être guéri. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on peut être guéri, mais je peux vous dire une chose. C'est qu'Avraham, il était lui aussi stérile, et finalement, il a eu des enfants. Vous voyez que quelqu'un qui a été Saris Adam, Saris Rama, quelqu'un qui est né comme ça, Noé Maot, elles étaient comme ça. Peut-être que la médecine, je ne sais pas, moi, peut-être qu'un jour, on réussira à lui réparer son problème qu'il a, celui qui est né comme ça. À la différence de celui qui a été castré, qui avait le système, là, il a perdu complètement. Saris Adam, parce qu'il n'a aucun moyen d'être guéri. D'accord? Malgré tout, l'Alakha est retenue comme Rabbi Akiva, qu'on fera la Khalitsa, et il fera la Khalitsa à sa belle-sœur, c'est si il était initialement bien et qu'il y a eu un problème ensuite. Mais celui qui est né comme ça, qui est né castré, eh bien il ne pourra pas, il est complètement exclu de la mitzvah de Iboum et Khalitsa. Ok? Et sur ça on conclut avec la Mishnah. Eid Rabbi Yehoshua al Ben Megusat Shaya Birushalayim Seris Adam. Il nous a témoigné sur ça, Rabbi Yehoshua ben Betera, al ben Megusat, je ne sais pas ce que ça veut dire ben Megusat. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et je cherchais dans les méfarchim ici, je n'ai pas vu encore si quelqu'un d'autre en parle. Et ben Megusat, il y avait apparemment une famille qui s'appelait ben Megusat, je ne sais pas. Shaya Birushalayim Siris Adam, qu'il y avait chez eux un Ayerushalayim, un Siris Adam, quelqu'un qui était castré par des hommes. Et on a fait le yiboum à sa femme pour maintenir. Et le but de ce témoignage, c'est de nous prouver que le Kayem d'Ivra Rabbi Akiva, qui vient te prouver que la halakha était comme Rabbi Akiva, qu'effectivement, à partir du moment où il a eu un Sha'at HaKosher, il a eu dans sa vie un moment potentiel où il pouvait avoir des enfants, sur ça, on aura la mitzvah de Yiboum et Khalitsa avec sa femme.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, selam.